Rebonsoir. Re-bienvenue dans Tu connais. On est parti pour la deuxième partie de soirée, justement. Et on va jouer ensemble à Chronicon. Chronicon, c'est un hack and slash en pixel art développé par une personne. C'est Daniel, je ne me rappelle plus de son nom, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, c'est Subworld Games. Et il a pris beaucoup beaucoup de temps pour le développer, mais le jeu est enfin sorti, comme vous pouvez le voir en haut, en 1.0.3. Et donc on va pouvoir y jouer. Alors Chronicon, qu'est-ce que c'est? C'est un gansage dans la veine un peu de Path of Exile, donc c'est quelque chose qui est quand même très orienté build et compagnie. Et donc on va pouvoir déjà choisir son perso. Alors un templier, offensif, défensif, range, avoidance, mobility. Il a un shield. Ça c'est quoi? Ah, le berserker. Use rage to fuel son ability. Double base health and mana regeneration. Tramage addiction. Le warden. Ah, il peut summon des créatures de la nature. C'est cool ça. C'est pas mal ça, ça me fait envie ça. Le Warlock, un grand classique, qui peut récupérer les âmes des ennemis pour summon des démons et des undead. Sympa ça. Alors, est-ce que je vais prendre lui ou lui? J'ai envie de prendre lui en fait. Allez, on va tenter. Donc il y a un mode hardcore, on va vite le faire pour ce soir. Le power of nature itself, using spells of lightning, frost and poison, she may call upon various creatures of the wild to aid her in the destruction of her foes. Et ben c'est parti, on va tenter. Please define the name, ok. Random name, Dregi, Drind, Baylel, Drenid, Gwesley, Lexine, allez Lexine. Alors, sélection de la difficulté. Rather harmless, you will find not much challenge after getting familiar with the game. Designed to be for new and casual player. Voilà. D'accord, on peut changer la difficulté plus tard. Les monstres ont 100% de vie, 100% de dommage. Là, ils ont 80% de carry, 80% de dommage, mais toujours 5 levels au-dessus de vous. Ouais, d'accord. Bon, on va faire ça hein. Normal, Eric. Héroïque 200% de vie, 100% de dommage. Ah, ça devient hardcore, hein. 800% de vie, 400% de dommage. Ouais, c'est hardcore. Bon, on va jouer en normal. Pour commencer. Alors. Comment on clique? Ah oui, c'est comme ça, c'est en clic. Ah oui, j'avais. Dans les options, j'avais mis. Oula, ça fait un peu la gerbe ça. Dans les options, contrôle, click to move, mais j'imagine qu'on peut se déplacer. Voilà. Alors, je vais juste passer en clavier anglais. Tac. Et je pense que ça sera beaucoup plus agréable à jouer. Voilà. Comme ça devrait être plus agréable à jouer. Ok. Alors, est-ce que je vous ai pas perdu en cours de route en passant en clavier anglais? Voyons voir ça. A priori non, ça devrait être bon. Très bien, bon ben on va pouvoir attaquer hein. C'est parti, je remets le chat. Alors qu'est-ce qu'il raconte? First time we to clean the corruption of the fallen temple. The temple known as the temple of life and was the time dedicated to the worship. Ok d'accord. On va pas se prendre la tête. Acte 1. Fallen Temple. Fresh talk, take a look. Trade. Ah oui, il en a des choses. Il en a des choses. Mais bon. Pff. Alors ça, c'est quoi ça? Ça, c'est son stock, c'est moi, c'est ça? Je regarde en fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon inventaire. Et son stock, il est à côté. D'accord. Et ça, c'est les trucs que je possède. Bon, bah, on va pas s'attendre trop là-dessus pour l'instant.
The Fallen Temple. Ah, bah les voilà, les. Ça va être les actes. Les fameux 5 actes du jeu. Eh bien, c'est parti! So it begins. Waypoint. Ah ouais, d'accord, ok. On peut pas bouger en fait quand on tire. D'accord. C'est quoi ça? Elixir of Haste. Bon, c'est le début, hein, pas de panique. C'est normal, c'est un peu lent, c'est un petit peu lent, mais y a rien de grave, hein. C'est le début du jeu, vous savez comment ça se passe, hein. Bah, surtout que Chronicon, c'est un jeu qui est extrêmement apprécié par les joueurs. Alors moi, auquel j'avais pas joué, parce que j'ai quand même du mal à jouer au jeu en accès anticipé. Mais c'est un jeu qui est extrêmement. Est-ce qu'elle va me prendre? Grow from your skin. C'est un jeu qui est vraiment, voilà, qui est super apprécié des joueurs. Et puis je trouve que c'est quand même assez admirable d'avoir développé un hack and slash tout seul. Y a rien à dire, hein. Level up. Ouais, il bloque quand même, hein. Oh, il y en a des choses là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai chopé? Bon, l'inventaire pourrait être plus gros, par contre. Hein. Je pense que ça, on est d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Cast Sprint, d'accord. Ça, c'est quoi ça? Un orbe de mana. Ok. C'est une espèce de chose que je peux mettre sur moi et gueule. Qui est enchanté? Très bien. Ça c'est quoi ça? Crafting matériel. Ah d'accord. Et ça c'est quoi? C'est. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Faut que je trouve ça pour savoir ce que ça va faire. Alors, est-ce qu'on peut pas bouger un peu ça? On peut pas. C'est dommage. Ça fait quoi ça? Alors. Passive skill, chaque point mis là-dedans vous donne des bonus de stats classiques. Plus 4 attaque speed, plus 10 attaque speed. Ok, d'accord. Mais si je mets des plus là, un petit skill slot, plus un MB to assign a skill. Ah! D'accord. Active skill, archerie. Please shoot an arrow twice. Conjure small gusts of wind that move toward rapidly, damaging all foes it touches. Ah, c'est pas mal ça. Allez hop. Soyons fous. J'ai pas même pigé, je l'ai boosté au niveau 2, c'est ça. Ok, ça doit être ça. Et puis après, je peux toujours investir dans les trucs mastery. Donc ça, c'est pour. Je peux assigner des points. Pick a skill. Mastery point 0.
Physical damage, companion damage, companion elf, attaque speed. Ah oui, et puis je peux faire des combinaisons, d'accord, ok, je peux faire des combinaisons. Ouais, c'est ça. Je choisis les skills que je veux et ensuite, comme ça, je peux créer mon arme au fur et à mesure en fait. D'accord, skill tumble. Physical. Tumble backward up to 8 meters away from. Ça, c'est pas mal ça. Ça permet de me sortir de situation. Toward, ok. Backward up to 3 meters and drops a trap on her initial location. Excellent. Ah, ça, c'est pas mal ça. Ça, il faudrait que je le booste en fait après. Ok, bon, on verra tout ça en suivant. Oh, c'est bon. Alors, comment on assigne ce skill? Ah, il aurait fallu que je le mette au. Bon, je vais me l'assigner après. Alors. Ok, c'est ça. Ouais, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou, hein, les gars. Si tu pouvais ne pas bloquer mes attaques, ça m'arrangerait, toi. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Hold the frying ball. It appears to be filled with valuable. Ah! Ah! Mais c'est quoi tout ce loot là? C'est affolant! C'est affolant tout ce loot! Alors. T'as l'air mieux toi, hein? T'as l'air quand même mieux, hein? Accessoire enchanté, plus 5, moins 4 mana. Ah oui, d'accord. Plus 5 heal, plus 3 mana. Regardez ça! Level 2, Spiked Longbow. Moins d'attaque speed, mais plus en vie, plus 4 en dommage. C'est pas mal. Small Charm of Lightning. Ah, y en a des choses là. Une lanterne. D'accord. Il y a tellement de trucs, c'est ouf. Ah, Ghostcoin. Plus 5 elfes, moins 2 mana, plus 2 dommages. Ah, c'est pas mal ça. Je perds pas trop. Allez hop. Ensuite, ça bien sûr, évidemment. Et pour l'instant, on va s'arrêter là, je pense. Decaying Arrows. Ah oui, en plus, on choisit les. Excellent! On peut choisir le type de flèche dans son arc. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Ouais, déjà ça fait plus ouais. L'ensemble fait déjà plus mal hein.
Je vais juste voir. Choper cet arc là. À level 3. De toute façon, c'est clair. Wrecking Cellar. Ah, des bottes. Chouette, des petites bottes. Les petites bottes, level 2, level 1, il n'y a pas photo. Hop, je vais équiper ça en attendant de pouvoir peut-être mettre celle-là. Ah, item Berserker, donc je pourrais le revendre. Très bien. Toxic Spellbook, Warlock item, Templar item. Voilà, tout ça, je vais pouvoir le revendre. Très bien. C'est quoi déjà pour les potions? Minor Elf Potion, Scroll of Return, Used to Scroll to Portal to the Chronicon. D'accord, donc ça c'est. C'est ça, ZX. Donc les potions, très bien. C'est WX. Ah non, le cellier. Ah, il y a du monde là! Qu'est-ce que c'est ça, les cristaux mystérieux? What? Niveau en plus. Oh, il y a beaucoup trop d'objets là, c'est ouf. Mais oui, forcément. Alors c'est, on va les revendre hein, tout ce qu'on peut. Non, ça on peut pas y toucher. Alors déjà ça va être revente. Plus deux slots. Bah je veux, oui. Un petit sac en plus. On va faire un peu de ménage. Hein. Level 3, level 1. Clairement, celui-là est plus intéressant. Ordinary Boots. J'avais pas des Boots level 3. Non, j'avais pas des Boots level 3. Peut-être pas. Allez, on va les vendre un peu. Tac. Trade. On va vendre ça. On va vendre ça m'intéresse plus, ça non plus. Ça c'est pareil. Pas intéressant, level 1. Level 1. Level 2. Pff, non, même pas. Level 1. Level 1. Level 2 power. Non. Ça on va garder. Ça on va virer. Ça je sais pas à quoi ça sert. Ah, celle au OK point. Ah, c'est pas mal ça. Pour vendre des plus vite. Très bien. Alors, un petit bow. Level 4. Bien. Très bien. Très très bien. C'est un jeu dans lequel on va prendre son temps, ça c'est clair. Je pense que c'est un jeu où on va pas rusher. Petit bow level 2, non, tu m'intéresses pas. Toi tu vas être là, toi tu vas être là. Ce bow level 4, plus tard. Plus tard. Toi. Tu m'intéresses pas, moins 15 attaque speed. Je ne vais pas sacrifier mon attaque suite parce que comme je suis très limité dans mes mouvements, j'ai pas trop envie de sacrifier ma vitesse d'attaque.
Alors. Hop là. J'ai pas eu de bol là sur le coup. Bon, je dis ça, mais finalement, ça m'a apporté pas mal de trucs. Ces bottes. Alors. Berserk, non. Warlock, non. Berserk, non. Level 3, c'est pas intéressant. Level 4. Warlock, item. Oui. Est-ce que j'ai investi un point là-dedans? Un. Ah mais c'est mortel ça. C'est mortel ce truc. C'est juste giga mortel. Alors ça c'est quoi ça? Mystérieux cristal. Pff, alors ça si on connaît pas la combinaison, on est cuit hein. C'est bien, il y a plein de trucs, plein de mystères. Il y a de quoi faire en fait. J'avais pas de péter tout ça déjà. Ah, chapeau, level 4. Ça sera pour plus tard, hein. Ah, il devrait pop en fait. Oh. En fait, ce que je vais faire, je vais me mettre ça sur le bouton droit et ça sur le 1. Voilà. C'est quand même mieux. Rank 1 sur 1, donc ça c'est fait. Toi, rank 2 sur 5. Next rank, 120 physical damage, d'accord. Ça c'est quoi? Plus 4 attaque speed, c'est pas mal hein. Puis là il y a du mastery aussi, physical damage, mastery point, skill point, archery skill damage, attaque speed, archery skill damage. Allez, ça me fait penser un peu à Grim Dawn dans le principe aussi. Alors, oui, non. Warlock. Lower Temple Halls. Ah. Your skin radiate hits. Your blood boil. Ok. Ah bien, the sacred hall of your temple, you can let me pass if I know that transactions are true. To prove yourself, I will ask you to end the corruption and invite Captain Moore. He resides in his old quarters in the guard barrack just nearby. Good luck, find the captain and kill the captain. Ok.
Ça me semble correct. Ça me semble correct comme, comme offre, mon coco. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse en fait. C'est pas right mouse button, c'est espace en fait. Ah, je peux pas. J'ai pas trop le choix en fait, c'est dommage. Je l'aurais bien mis sur espace en fait. C'est dommage. Oh! Tu me fais chier toi. Mal ma cocotte là. En fait, tu me fais mal, mais oui, mais non, en fait, pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, ah oui, c'est ça. Est-ce que je perds de la vie? J'ai pas l'impression de perdre de la vie là. Ah oui, si. Ah, mais je regagne de la vie, d'accord. J'ai un auto-régène en fait. Je sais pas trop pour quelle raison, mais j'ai de la régène. Ah, Great Shield est made from a weapon. Shining, dealing 58 frost damage on it. Oh, ok. Mais ma foi, écoutez, jusqu'à présent. Oh, mais quel crétin. Ah oui, et puis je le slow avec ma. Avec mon gel là. Bon alors. Farm growth for your skin, c'est quoi ça? Thorns Ferns, je sais pas ce que c'est que les ferns. Ah, un waypoint. Level up. Ça, c'est des levels. Level 5. Power 6, power 8. Je vais attendre un peu. Power 8, level 5. Non. Regardez celui-là qui est quand même impressionnant en fait. Waypoint. Oh, cancel. Allez, venez, venez vous faire choper dans le piège.
Pact Charm, level 5. Quel pourcent bonus cristal, horn, forms. Je sais pas ce que c'est que les forms. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Intéressant. Intéressant, intéressant. Il va falloir que je fasse du ménage. Évidemment. Oui, toi tu m'intéresses. Le reste, malheureusement, ça va être vendu, je pense. Hein. Level 2, level 3. Pff, pas très intéressant tout ça. Level 5, mais bon, celui-là, non. Et eh ben on va les vendre. Alors c'est C. Hop, salut toi. Trade. Alors, ça on vend, 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 on vend. Tout ça, bien sûr, on vend. Oh, aussi, tiens. Hop, hop. C'est chouette, il te montre par les points les machins que t'as potentiellement laissé. Ah, enfin une armure. Et power 7. Rael, mais l'autre il est mieux. Enfin, ah, quoique. Mana Regen, Shadow Resistance, Cooldown Réduction. Non, Cooldown Réduction c'est mieux. Un petit star socket, d'accord, je peux le sertir ce truc. Très bien. J'ai l'impression que les ennemis repop en fait quand. Non? Non, peut-être pas, non, je dis une bêtise. Bah si, il y a une partie des ennemis qui l'a repopé, j'ai l'impression de ça. Aïe aïe aïe, mais j'ai perdu connement de la ville. Hein. Ah. Il est pas là le. Alors c'est juste des bats élites. On va se fighter les élites.
Level 6, power 11. Non, c'est pas très intéressant. Ça, je m'en suis sorti. Ouh, le piège là, il a fait du bien là. Quoi ça? Non, c'est mieux. Quartier du capitaine. Ah, ça y est, c'est bon là. On approche du grand méchant loup. Ah, je peux pas faire de portail. D'accord. Ok. Ça va. Allez, viens, tiens. Allons, viens, 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 viens. Ah non! Mais je loupe complètement mes pièges là. J'ai l'impression que tu me vises pas. Ouais. Allez, viens là, viens là. Bon, bah ça va. Ah, bien sûr, il y a 3 milliards d'items. Chaque mort du gars, d'un gars, hein, c'est un concept étonnant. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé là-dedans? Une armure, bah, il a une bonne armure. Hein. Ultra-gène, fire résistance, allez hop, c'est oui. Ça c'est non. C'est non, le cooldown, hein, toujours, hein, toujours et encore. Level 7, hein. Level 7. Level 7, ça j'ai déjà vu. Ça. C'est pas aussi bien que ce que j'ai. Hein. Pour l'instant, j'ai quand même un truc qui est super sympa. Bonus cristal, pick up radius. C'est assez agréable. Allez hop, c'est parti. Et ça y est, j'ai prouvé ma valeur, mon coco. Never before someone emerged victorious from the quarter. You have passed my test.
Hop, 4 slots. Yes. Rare helm. Ah, pas mal. Tuer. Tuerie et CIT. 7% toutes les résistances. Attaque speed. Allez hop, on va le prendre. Franchement, c'est pas dégueu. Alors. D'accord. Quest started. Activate Lower Temper Hall. Mindless body will still walk the seven dormitory. Please destroy your body so that we may rest. Don't let us remember this. Ok. Donc là j'ai le waypoint. A sealed chamber. Oui, special key. Oh. Ouais, le piège à courte distance là quand t'as des gens autour de toi, mais c'est redoutable, hein. C'est vraiment vraiment redoutable, hein. Ouf, Atos. Ah oui, vous êtes invisible, vous. Très bien. J'ai quand même pas mal de résistance, hein. Je perds pas beaucoup de vie. Ça, c'est plutôt cool. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est juste des pièges. Wow. Mais c'est eux, c'est les démoniques vampires là qui font ça. Peux-tu mourir, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai chopé ici? Des trucs que je pourrais mettre que plus tard. J'aime bien la zic. Un arc intéressant. Un arc intéressant que je ne pourrais pas porter tout de suite. Level 7, mais oui, des choses. Absolument des choses. Ça me manquait des choses. Alors on va arriver bientôt.
World appear brighter. Shadow resistance increased by 50%. Alors, combien j'ai de scrolls là? Je sais plus combien j'en ai les scrolls. 3. On va s'en payer un. Hey! Sorry I'm late. Gem is sucking. Ah bah oui, très bien. T'es un petit peu à la bourre. Un chouïa, ma grande. Ah, alors, Templar. Déjà, tous les items qui sont pas pour nous, on peut les vendre. Ensuite. Ça, aujourd'hui j'ai mieux. Aujourd'hui j'ai mieux. J'ai mieux. Non, c'est bien, mais j'ai mieux quand même. Ça, je garde. Ça, j'ai mieux. Mes choses. On revend. On revend tout ça. Pick up strange, ah, je savais pas qu'il y avait un truc comme ça. Très bien. Eh ben, elf bonus expérience. Ça, je pourrais. Ah, ça fait beaucoup de vie en plus, mais je suis pas emmerdé avec la vie pour l'instant. Level 9. Level 8. Mais pff, plus un mana en hit, c'est pareil, ça m'intéresse pas en fait. Et ça, il y a plus de dommages quand même, hein, mais ouais, plus de dommages, on va le garder. Alors, est-ce que je peux en acheter des scrolls? Scroll of Return, c'est ça qui m'intéresse. Combien j'ai de pognon là-dedans? Où est-ce qu'il est mon pognon? 1000, ah oui, 10 022. Oh là! Je peux m'en payer des trucs. I'm Gemma, bring a gemmery and I'll help you suck at them. Ok. Je suis pas sûr que j'ai des gemmes, déjà. Je suis pas sûr que j'en ai des gemmes. Non, j'ai pas l'impression. Peut-être, enfin, je dis ça, mais. Sous l'essence, magique essence. Non. Je crois pas que j'en ai chopé. Ah mais je connais ça, je l'ai déjà depuis 4 ans ce jeu. Ah, tu l'as depuis 4 ans. Et ben écoute, figure-toi mon cher Feed que ce jeu vient de sortir dans l'Early Access. Et moi je l'avais il y a quelques années, je l'avais repéré et je me suis dit oh, c'est de l'Early Access, je vais attendre un peu quoi. Et ben il vient de sortir dans l'Early Access quoi. Donc du coup, ben, j'en ai demandé une clé et j'ai vu qu'il y a même du multi-local dans ce jeu-là. C'est assez cool, hein. Et en fait, il a l'air très très bien. Enfin, jusqu'à présent, je trouve ça très chouette, quoi. Il y a des bonnes idées. Il y a un loot ultra satisfaisant. À chaque fois que tu tues un boss, t'as 3 000 objets, là. Ça change d'un Diablo ou d'un Torchlight, hein. Hein? Pour ne nommer que lui. La Torchlight 3 qui est mais vraiment misérable. On en reviendra, hein, Torchlight 3. Je ferai un stream la semaine prochaine. Je vous dirai tout sur Torchlight 3 puisque je me suis fadé pour vous plus de 10 heures de Torchlight 3, donc j'y reviendrai la semaine prochaine. Mais autant vous dire tout de suite, c'est de la merde. Alors oui, je vois en effet. Ouais, c'est pas mal du tout. J'ai une quinzaine d'heures dessus. Il y a plein de. Ouais, Attends, il y a 4 ou 5 classes. Il y a 5 actes maintenant. Ça y est, le dernier acte est passé. Bah, il y a plein de choses. Tu vois, bah, j'adore les arbres de compétences. Ça me fait penser un peu à Grim Dawn. Et puis, tu peux assigner tes scrolls directement à ce que tu veux. Ouais, passive skill. Bah, je m'en fiche un peu de ce passive skill. Archery skill damage.
Je vais mettre un peu d'archerie skill damage. Le piège, il est quand même bien, mon piège. Hein. Il est bien, mon piège. Mais ça, il faut que je le booste aussi. Et ça, c'est quoi? Bonus stats, d'accord. Oh, cool. D'accord. Il y a des skill points, il y a des. Donc il y a des. Pour chaque classe, tu as des. Comment dire? T'as des sous-arbres. Elle, comme elle peut invoquer des trucs de la nature, bah, t'as le classe de druide, la classe de Stormcaller. En fait, tu vois, avec le 1, j'envoie une espèce de tornade. Winter Herald. Après, t'as du Mastery, c'est pour booster les stats directement, mais j'ai pas de Mastery Point pour l'instant. Bon, en tout cas, ouais, jusqu'à présent, je suis assez. Ouais, alors voilà, c'est ça. En fait, ça me fait penser un peu à. Comme si on avait pris Hammerwatch et qu'on lui avait calé un vrai. Pour le coup, un vrai élément. Des vrais éléments de hack and slash, en fait. Alors, moi, j'adorais Overwatch, déjà. Donc, bah là, je trouve ça. Le mélange des deux, il fonctionne super bien, quoi. Et c'est un jeu qui est fait par une seule personne. C'est dingo, ça. Oui, bah bien sûr. Ah, il commence à faire mal mon truc, hein. Il commence à faire mal mon petit machin. Un peu comme, ouais, un peu comme Erosid, ouais. C'est pareil, Bestio qui est un pote qui est féru de hack and slash. On avait dit du grand bien et là tu vois, il va falloir que je trouve le temps d'avancer dans ce jeu-là parce qu'il a l'air vraiment tip top quoi. Et en fait j'ai vu le trailer et quand tu regardes le trailer, dis donc. Ça a l'air, enfin, à haut niveau, ça a l'air quand même assez violent en fait. Ça ressemble limite à du Path of Exile avec des effets partout. Ouais, je vais équiper ça. Ça, je peux le mettre là. Ah, Treasure Key. Crystal Order, c'est pour ça qu'il drop la mort de cristaux là. Ouais, il fait mal ce piège. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? Ça, je l'avais déjà. Pas intéressant. J'arrête pas de choper des clés pour les trésors, là. Mais je sais pas où sont les 10 trésors. Ah sinon j'ai fait donc du Bartlow's Dread Machine juste avant. Et bah écoute, c'est vachement bien. C'est un run and gun qui est pour le coup original. Moi qui me plaignais ces derniers temps de pas avoir d'originalité. La DA est vraiment chouette. La musique est chouette. Le jeu est chouette. Ça, c'est un early access, mais il y a déjà. Il y a eu un. Il y a eu une mise à jour pas plus tard qu'aujourd'hui. Fire Resistance avec by 50. Donc ouais. Ouais, franchement, à surveiller. Quand il sortira d'Early Access, je pense que
Tu devrais le surveiller. T'avais vu un peu le pitch du jeu, c'était un espèce de run and gun, mais sur rail, entre guillemets. Puisque c'est tout le principe des vieilles machines. Et ça marche bien. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est que comme c'est comme tu contrôles la vue à 360 degrés, ça mériterait d'un curseur pour bien voir, parce qu'il y a des moments où tu vois absolument pas où tu tires. Et du coup, quand il y a beaucoup de monde à l'écran, ça peut être problématique. Ah, il y a un coffre ici. Un truc là. Les élites chauves-souris. Dégagez les petites là. Enfin, les élites chauves-souris, elles me font un dégât. Ça va, je vais pas mourir. Allez, crever dans mon piège. Y a quoi ici? Une cape 212. Mais je suis déjà super bien stuffé en fait. Level 8. Moins 35% d'attaque speed, c'est niet. Je switch pas pour ça, même si c'est super puissant. Je vais pas renoncer à mon attaque speed. Et alors demain, voilà, demain normalement en seconde partie de soirée, je peux vous le dire tout de suite, il y aura du Game Deck. Game Deck, c'est un RPG qui a été kickstarté l'année dernière. Et là pour la Gamescom, il va y avoir une démo de 30 minutes et j'ai chopé une version étendue de quelque chose comme 2 heures de jeu. Donc demain soir, on va jouer un RPG. Donc j'ai essayé de varier les plaisirs pour qu'il y ait un maximum de styles de jeu différents. Je sais que là, suite au test de The Pilot sur Beyond the Steel Sky, il y a des gens qui disaient « Ah, mais ça parle pas assez de point and click sur Factor », donc il y aura des point and click. Il y aura des point and click en stream, sûrement en deuxième partie de soirée, hein, pour éviter d'endormir les gens qui arrivent après le repas. Mais il y aura du point and click un peu plus tard dans la semaine. Et puis après, je pense que toi, Phil, tu streameras. Bonne soirée, merci. Tu streameras toi samedi soir, j'imagine. Samedi après-midi, pardon. J'ai chopé plein de trucs là. Ça m'intéresse pas. Ça peut m'intéresser. Poison Fuzz, 41%. Oh oui. Hop. Level 8. Oui, mais c'est lui qui a des dommages un peu pourris. Okay. Je vais attendre de prendre un niveau. À moins que. Eh, mais non, toi t'es pareil. 35 d'attaque speed, c'est pas terrible, terrible. Hein. Toi, tu as tendance à bloquer beaucoup trop mes attaques en fait. Aïe aïe aïe, oui, mais. Oui.
Il y a du monde ici. Il y a du monde ici. Yop. Ouais. Ah oui, yop. Oui, ok. J'adore. J'adore les prendre dans mes pièges. Aïe aïe aïe. Oh non. Agile, Ruby, Arrow. Ah, ça me plaît ça. Il y a des trucs très chouettes là. Au cas où ça disparaisse. Quand même prendre ça. Lightning résistance, il ferait gen plus 2. Et l'autre, elle est où? Elle est où l'autre? Ah, elle est là. Je pourrais la prendre tout à l'heure. De toute façon. Bon, bah, on va en ville. On va aller vendre tout ça. Ah, on commence par quoi? Tout ça. Ça, on s'en fiche. On s'en fiche. 446, 451. Je vais la garder parce qu'elle est pas mal celle-là. Oh, 1080. Ça, c'est bien ça. Alors, toi, t'es moins 35 damage speed, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça, je vais le garder. Je vais te vendre toi. Toi, je te mettrai à mon prochain level. Toi, tu m'intéresses pas. Toi, tu m'intéresses pas. La clé enchantée, mais je sais pas à quoi elle sert cette clé enchantée. 396. Ces bots, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Ça non plus. Ça non plus. Ça m'intéresse pas. Ça non plus. Et ça non plus. Alors, on va mettre ça. On va mettre ça très probablement. Ça, level 10. Level 6, level 6, level 6. Je peux vendre ça. Level 9. Donc, level 9 et level 10, je vais pouvoir mettre des trucs. Ah, hop. Alors, il y a quoi ici? Ouais, non, c'est pas intéressant. Hein. Tout ça, c'est pas très intéressant. Armure enchantée, mais bon. Allez, en avant! Déjà là, hop, on prend ça, et on prend ça, ouais, c'est clair. Ça c'est pas terrible. Hein. Level 10, je vais équiper ça et ça,
et je serai très bien. Ouais. Ah, mon piège a fonctionné. Oh, mais il est tellement bon ce piège. 86 d'expérience boost. Ah oui. Il va faire choper. C'est bon, ça y est là, vous êtes calmé un peu. 217, c'est pas intéressant ça. 176. Voilà, je suis bien stuffé là. Je suis assez bien stuffé. Quand je vais passer mon level 10, ça va être le top du top là. Oh belle. J'en fais vraiment qu'une bouchée de ces petites. Alors, où est-ce que je ne suis pas allé? Ici.
Templar Hallway. Ah, cool. Je vais stun les ennemis. Anybody there? I've lost my spectacles. I can see you anywhere. Your stamps. The Hall of Learning. D'accord. Dans le Hall of Learning. On va aller dans le Hall of Learning tout de suite. Tout de suite. J'imagine pas quand on aura fait tout le niveau, la liste va être giga longue. Hein. J'ai commencé à revendre mes potions aussi parce que ça peut plus durer là. Wow, 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 wow. Ah la vache, m'a fait mal ce frozen machin là. Bon, vous vous faites vraiment pas mal, j'ai pas grand chose à craindre de vous. Que de violence. Que de violence. Ah, c'est pas pour moi ça. Tu sais quoi mon coco? Ça va attendre un peu. Je suis allé en ville d'abord. Alors, hop, hop. Celui-là, c'est un peu un élite, donc je vais le garder. Non. Pff, cette mana, pas très intéressant. Je vais continuer avec, avec ce que j'ai là, c'est pas mal en fait. Energy Fist. Ah mais au milieu il y a un petit qui est pas si petit que ça en fait.
Ces choses, elles valent quoi? Bof. Critique à... J'ai plus de chances de critiquer avec ce truc-là, donc... Non, ça m'intéresse pas. Ce beau... Il a moins d'attaque speed, c'est pas intéressant. Alors, 9% de dommage versus Mechanician, Companion Elf. J'ai pas de compagnon. Bon, ce niveau 10, il se fait désirer là. Oh là, oh là. Allez, je vais mettre ça déjà, ça c'est clair. On va mettre celui-ci. Non, on va mettre. Ah, mais bougez là, les cons. J'en ai rien à foutre de votre gueule. C'était quoi l'autre truc que je voulais mettre? C'est pas ça. C'est pas intéressant ça. J'avais pas un arc que je voulais équiper. Non. Un anneau. Un anneau. Ça va me servir. Bon, on va booster un peu nos trucs, hein. Ah, ça a débloqué un truc. Kick. Ah, sympa ça. Je commence à débloquer les anneaux, ça y est, niveau 10. Ça commence. Quelle heure il est? 23h38. Bon, on va pas trop tarder à s'arrêter, hein. On n'aura pas pu faire plein de quêtes, mais on aura pu voir ce que donnait ce jeu. Et en tout cas, là, les deux premières heures, ben c'est intéressant. C'est très très intéressant. Ça donne vraiment envie de s'y mettre plus, en fait. Après, c'est un jeu qui est assez long. Il va falloir être patient pour aller au bout, mais ma foi. Moi, je suis assez content de ce qu'il propose. Alors ici, j'ai tout vu, j'ai tout vu. On va avancer un peu. Alors, où est-ce que c'est? Ah, c'est là. Legendary Chess. Ouf.
sympa. Qu'est-ce que j'ai chopé là-dedans? Rare Helm. Ouais. Wow, wow, wow. Hey. Chose pas super intéressante. Mana cost reduction, force damage. Ouais. Bon, je vais aller jusqu'au bout là. Je sais pas ce qui m'a filé ça en fait. Je sais pas où elles sont ces spectacles à l'autre. C'est quoi ça? Ah, Mastery Points. Druide, Wild Range. Allez, voilà. Oh non, t'es sérieux là? Je m'en fiche de tout ça là. Allez, on va aller rendre ces spectacles. Tiens. Ah bah je peux m'équiper de l'anneau. Alors lequel? Celui-là a l'air plus puissant. Ah ouais, Size of Explosion d'une 80% d'intérêt damage, pas mal. Et ben voilà, on va aller en ville, vendre tout ça. Oh, gambling. Alors déjà, non, cancel, parce que si on peut parier un objet. Tout. Gamble. Ah ouais, pas mal ça.
Ça, on s'en fiche un peu. Ça, on s'en fiche. Le bouquin. Luxury textbook. Unique accessory. C'est pas mal, ça. Ça, je vais le garder. Unique accessory. Je renonce pas à mon attack speed en fait. Voyons voir si on prend un super helm unique accessory. Alors ça c'est quand même le niveau au-dessus hein. Alors qu'est-ce qui est pas terrible, les shoes hein. Ouais les shoes, ah ouais. Moins 3 de vie, mais je gagne 10 de mana, 2 de mana, damage fine. D'accord, ok. Intéressant. Alors ce petit truc là, je sais pas d'où ça vient ce petit truc, ce petit bonus. Kick. Ça c'est quoi ça? A 21 chances de pénétrer. Ah ouais, ça c'est chouette ça. Ah. Ouais. Eh ben écoutez, je suis assez satisfait de ce jeu pour l'instant. Je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment très sympa. Chronicon, une belle, belle surprise. Très, très, très content. Ça c'est mes quêtes, bien sûr, mon sac. Ça c'est le codex. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Voilà. C'est Chronicon, c'est un bon jeu. Je pense qu'il faut prendre son temps parce qu'il y a tellement de choses à voir. Les arbres ont l'air bien, bien gros comme il faut. Mais en tout cas, c'est une très belle découverte. Donc le jeu vient de sortir d'accès anticipé. Donc surtout. All press will be saved. Oui, will be saved. Donc surtout, vous pouvez foncer dessus. Il n'y a pas à se poser la question savoir s'il y aura un wipe ou quoi que ce soit. On pourra foncer dessus. C'est assez agréable. The graveyard remains empty only. The hardcore may rest. Ok, d'accord. Multijoueur local. D'accord. On peut jouer à plusieurs. Donc on doit pouvoir faire du Steam... Steam Play Anywhere. Très bien. Donc voilà pour Chronicon, un bon petit jeu bien sympathique. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. On a passé un peu plus de 2h30 ensemble, presque 3h ensemble. On s'arrête là pour ce soir. On se retrouve demain pour la suite des aventures, des découvertes indées ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura Game Deck et il y aura un autre jeu. Il faut que je voie lequel c'est, je peux pas vous dire ça tout de suite. Ça sera la surprise pour demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Puis je dis à très vite sur Factor. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à filer vos Twitch Prime si vous avez des abonnements Amazon Prime. Ça nous permet de financer tout un tas de choses autour de la chaîne. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt. Ciao, ciao.